Resident Evil 2. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo sur Resident Evil 2. Comme vous avez dû remarquer, le son et tout ça ne sont pas pareils. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai acheté le DLC des musiques originales. En gros, là, regardez, je suis dans option, dans audio, il y a version musique, effet, il y a original et remake. Et j'ai mis original, parce que original, quand même, ils sont mieux, hein, faut l'avouer. Et on va continuer ce qu'on avait fait la dernière fois. Je suis vraiment content d'avoir pu acheter ce DLC. Parce que bon, les musiques originales, enfin du remake je veux dire. Oula, calme-toi. Je dis pas qu'ils sont pas bien, mais bon. Et c'est trop bien, le bruit là, c'est le même bruitage. Ils sont bien, hein, les musiques originales. Mais je préfère... non, original. Merde, j'ai encore trompé. Du remake. Mais je préfère les originales. Donc du coup, c'est où qu'il faut aller? C'est là? Tu viens pas, toi? Eh oh, tu viens, toi? Non mais non, je vais pas sauvegarder, la gueule. Pourquoi tu viens pas? Oh? Oh meuf! Là, parce que là c'est l'endroit où on était tout à l'heure. Je me rappelle très bien. Là, il y avait un monstre qui était passé. Tu m'expliques pourquoi tu viens pas toi? Bon, tant pis. On va y aller tout seul. Alors. Ah, tu me suis quand même, meuf, mais non. Oh! Encore? Il y a encore temps de faire demi-tour, Léon. Ah, sûrement pas. Faudra me supporter jusqu'au bout. T'es sûr que c'est par là? Malheureusement. Attends. Il est en dessous de l'eau, il est dans l'eau. Oh my god. Moi, t'es descendu aussi. Léon, reste pas là. Ah oui, t'inquiète pas, je compte pas rester à côté de lui. Hein. Cours. Cassez-vous les déchets de merde. Ah. Mais il va beaucoup trop vite. Non, 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 non. Il m'a... Oh, il m'a bouffé cet enculé. Ok, j'ai rien compris. Vas-y, continue. Hein. Oh, what the fuck. J'ai R compris. Je veux pas descendre. Bon, on n'a pas le choix. On peut passer, hein, j'ai déjà tout vu. À l'aide, à l'aide! Putain de merde! Non, 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 non! Ah, mais non! Putain, c'est pas possible. Comment tu veux y arriver? Il va beaucoup trop vite. Non, non, c'est impossible. Wesh. C'est un truc de dingue. J'y arriverai jamais. Mais tu peux pas courir plus vite aussi là, on dirait que tu cours comme un asthmatique de merde.
Enfin, j'ai raconté les asthmatiques, je veux dire, excusez-moi. Wow, 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 wow. Non, 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 gentil, le petit. Non, 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 oh my god. C'est quoi ça? On s'en fout. Mais merde. Mais wesh. C'était un cul de sac. C'était un cul de sac. Tu m'expliques là? What the fuck? Oh, on va pas tout recommencer là quand même. Si, c'est sûr, de toute façon. Oh là là. C'est pas vrai. S'il courait pas comme un asthmatique aussi. Ce serait pas mal, mais bon. Il est tellement con, c'est bon. Allez. Putain de merde. Non, 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 non. Oui. Mais non, mais putain, mais tu veux faire quoi? C'était un cul-de-sac de merde. Je comprends rien. Je comprends rien. Allez. Putain de merde. Ça, tu l'as dit, Bouffi. Voilà. Ah, et non. Saloperie, va. T'es calmé, espèce de saloperie. Bah, elle bouge encore, donc Tu dois faire quoi, juste, mec? Léon, ah. Par ici. Où ça? C'était quoi, ça? Ah oui, d'accord. Tais-toi et monte. Ah, t'aurais pu m'aider plus tôt, hein. Bon, vas-y. T'avais pourtant prévenu. T'as dit que ce virus transformait les gens en monstres, pas les reptiles. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis impressionné. Ouais, moi aussi, hein. Non, ça l'empêche, ça l'empêche. Ah merde, d'accord, il y avait besoin d'appuyer sur le bouton. Umbrella vend ce genre de monstre à qui exactement? À notre armée? À quelqu'un d'autre? Ils ne vendent pas les monstres. Ils vendent les virus qui les créent. Et c'est Annette qui fabrique les virus. Cet alligator a les boîtes. Annette est bien. Ah carrément. Mais c'est qui cette Annette? On est plus dans l'eau, au moins j'aime pas trop l'eau. Moi. Une petite sauvegarde. Il n'y a pas de coffre par contre. Non, même pas. Bon, on va sauvegarder. Bizarre, il n'y a pas de coffre. What? Hey, qui êtes-vous? Ouais, t'es qui? Annette Pitkin. Ah, c'est elle? C'est elle qu'on cherche. Passe. Il faut s'en débarrasser. Nous sommes là pour le virus G. Et puis quoi encore?
Bah, je sais pas, des chips encore avec, ça pourrait être bien. Oh! What? C'est passé quoi là? Ah d'accord, c'est le petit tiré. Connasse. Je crois que je l'ai sous-estimé. Ah, et puis ses lunettes, tiens. Léon. Elle est belle quand même, Ada. Vas-y. Surtout, la laisse pas s'échapper. Et là, elle enlève sa veste. Ouais. Oh, mais sa veste, elle est mieux quand même. Bon, avec sa veste rouge, là. On la reconnaît bien. Il dit quoi en fait ton truc là? Je crois en Jouada là du coup, ouais. Ah c'est génial. C'est cool qu'on puisse jouer à Net. À Net. Ada. On peut pas y aller. Et là, c'est quoi? C'est rien. L'échelle. Ah, oui. Qu'est-ce qu'elle compte faire? C'est... Ah oui, ça, c'est son arme, là. Un détecteur? Comment ça? C'est l'heure de l'arme. Ah oui, d'accord. C'est génial. Et ça sert à quoi? Ah oui, d'accord, ouais. Et ça va la casser? Ah ouais. Bah non. Mais c'est génial! Ouais, ça tu l'as dit. Et elle a pas de flingue sinon? Ah, si oui, elle a un flingue. Oh putain, des bestioles partout. Oh, c'est dégueulasse. Ouais, je sais pas, il va falloir faire pareil. Je suis trop loin, non? Ah non, c'est bon. Faut trop se mettre près, hein. Allez, ça dégage. Oh, bonjour. Putain, ils sont vraiment... Wesh. Possible ça. Inspection septembre semaine 1. J'ai déjà posté une demande de la semaine dernière, mais on a vraiment besoin d'un bracelet d'identification de rechange. Il en faut un pour accéder à certaines zones de la structure principale. En d'autres termes, mon équipe et moi ne pouvons pas aller faire notre travail. Alors je ne veux entendre personne nous accuser de nous tourner les pouces. Ok. C'est quoi ça? C'est un... On sait rien. La porte elle est là. Ah bon. Oh. Non pas ça. Quoi? Quoi? Ouais, j'étais encore vivant toi. Ouais, c'est bon possible. T'es un survivant mec. Ah bah bien joué. Ah des balles, parfait. Parce que j'en avais plus beaucoup alors donc ça tombe bien.
Par contre, avec ces cons de zombies, ça va être compliqué de. Ouais, tu crois quoi? Wesh! Oh my god, mais lâchez-moi! Là, oh putain! Te fais pas avoir, Ada! Oui, vous avez vraiment des trisomiques. Descendre. Oh, oh, m'a fait peur, toi. Bon, toi, tu commences à me casser les couilles. Ta gueule. Ok? Juste ta gueule. Bon, ça va pas le tuer, hein. Mais au moins, voilà. Ça va lui faire fermer sa gueule un petit moment. Je sais qu'il y en a un autre, alors, donc... Attendez, là-bas, il y a quoi? Ah tiens, coucou. Ouais, je suis en à combien au juste? Ah, cul de sac. Oh! Ça va pas, non? Ah merde, là c'est un cul de sac. C'est quoi ça? Ah, intéressant. Et des petites balles aussi. Eh, vous commencez à me les briser, sérieux? Et toi, regarde. Dans la chambre. Ouais, casse-toi la gueule. Et toi? Non, j'ai dit toi aussi, putain. La gueule. Voilà. On va nous faire chier comme ça. Ah, c'est parfait. Allez, j'arrive. Bon, toi, hein. Hop. Moi, j'étais résistant, toi. Voilà, casse-toi la gueule. Plutôt par là. Ah, ils sont chiants. Hein. Mais bon. Ils sont faits exprès. Ascenseur. Ah tiens, la voilà. Connasse. Tu détales toujours aussi. Elle me fait penser un peu à... Alex Wesker dans Resident Evil Révélation 2. Je sais pas pourquoi, mais je vous jure, elle me fait penser à Alex Wesker. Attendez, il y a un endroit, c'est quoi ça? D'accord, un cul-de-sac. What? Elle fait quoi juste? C'est un fantôme ou quoi? Oh non, il est de retour lui. Je peux le dire. Hein. What? C'est quoi ce délire? Mais c'est un putain de... Wesh. Ah non, mais non, je suis con. Oh my god. Gentil, gentil. Hey, toi, tu vas te calmer. Et attends, j'ai pas d'herbe en plus. J'ai pas d'herbe. Je suis la merde. Oh, je peux pas te dire comment je suis dans la merde. Et alors, il casse couille lui, hein, faut l'avouer. Trop loin. Mais descends! Mais il arrive! Non, mais je rêve. Oh my god. Je suis pas mort là. Oui non. T'es vraiment casse-couille. Hein. Mais ça c'est l'endroit de tout à l'heure. Oh là. Mais je fais comment là? Je peux plus descendre. Oh. Oh là. Alors là, il y a un petit problème là.
Faut pas tirer dessus, je sais pas. Oh putain. Bah c'est quoi ce délire? L'essence, c'est que j'ai du mal à vérifier quelque part. Bon, tu vas me lâcher, oui, connard. Oh my god, j'ai cru qu'il allait me toucher. Touche pas les jolies filles, hein. Les jolies filles, c'est joli. Enfin, c'est fait pour être joli. Regardez. Dépêche-toi! Il est derrière toi! On est où là? Putain. C'est quoi ce cul-de-sac encore? Oh, c'est pas vrai. Ouais, je pouvais pas faire plus loin, hein. Ça c'est... Je vais tourner en rond l'autre con là. Dépêche. Allez, casse-toi. Il est casse-couille, hein, Mister X là. Il est vraiment stressant. Hein. Ah, une petite sauvegarde. Là, ça va être écrit Ada. Attends, on va voir. Même beau. D'accord, bon, c'est très bizarre. Oh la gueule. Ah. J'ai pas... J'ai... What? Ah bah tu vas pas utiliser ça, mais... Le choix. Non. Wesh. Le pot de colle il est pas là, c'est tant mieux. Ah, ah. Avec le nouveau bracelet qui vient d'arriver, on va enfin commencer notre analyse de la zone de démolition. Au sujet du rapport de l'autre jour concernant l'incinérateur, c'était rien, probablement un reste de gros déchets. Je vais aller jeter un coup d'œil après avoir bouclé ce rapport. Oula. Tu te fous de ma gueule là, le truc? Il va jusqu'à où? Ouais, ok. Bracelet d'identification requis. D'accord. Et j'ai pas ton bracelet d'identification, je fais comment? Ah, attendez. Ah, mais j'avais pas vu ici. Tiens, parfait. Oh non. Oh la connasse. Je m'y attendais pas. Bravo. Vous allez nous brûler, c'est ça? Hors de question que vous touchiez le virus. Je suis pas la seule à le voir. Vous le savez. Alors d'autres mourront. Oh my god. C'est quoi ça?
C'est stressant. Oh, c'est pas vrai. Vingt secondes, dépêche-toi. Oh. Non, 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 non. Oh, j'ai eu chaud. Oh là là. J'ai eu hyper chaud. En vrai. Accès visiteur confirmé. Votre bracelet est valide jusqu'au 1er octobre. Intéressant. Du coup, la arme 5. Oui, c'est bien. Ça risque pas. Ça risque pas. Tu m'étonnes. Voilà, c'est un cul-de-sac. Attends, c'est quoi? Bassin de traitement, d'accord. What, c'est quoi ça? Ah, encore toi. Ça suffit de jouer au chat et à la souris. La partie est finie. Vous avez perdu. Dites-moi! Votre mari est encore vivant? Ou vous l'avez tué pour vous attribuer le mérite du virus G? Théorie intéressante. Si vous ne coopérez pas, j'obtiendrai un échantillon du Nest. Il faudra d'abord me tuer. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh non. Ah, je le sens pas là. Elle fait quelque chose. Oh là là. Oh non. Ah oui. Aïe. Aïe 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 aïe. Ouh. Ouh. Ça fait mal. Ah oui, je peux te comprendre là, ma pauvre. Oh non. Ça c'est un chien ça. Il paraît que là on va jouer Léon pour aller la sauver. C'est obligé. Allez, réveille-toi, elle a besoin de toi. Ada? Ada, elle est partie. Ah, ça tu l'as dit. Où es-tu? Attends. Oh tiens, un coffre. Intéressant. Bon, ça on peut le déposer, on n'aura pas besoin pour l'instant. Ouais, bon, bah c'est bon. Bon, on va pas sauvegarder maintenant. Je crois qu'on va pas avoir le choix de descendre. Je le savais de toute façon. Si on peut descendre, c'est que on va obligatoirement descendre. Je le sens pas cet égout là, enfin cet endroit. Engagez-vous.
Moi, je le sens pas, cet endroit. Ah non, je le sens pas du tout. Ouais, lequel côté aussi? Là-bas, c'est un cul-de-sac. Mais il y a un escalier. Ah, j'ai entendu un zombie. Est-ce que c'est... Oula, c'est quoi ça? Alors, j'ai cru qu'il y avait un truc. Casser le vidéo. Bon, à quoi ça va me servir? Là, il y en a mort partout ici. Oh! Yo à toi aussi. Le mec, il m'a fait peur, il a fait yo! Casse-toi! Explose! Bouffe-toi ça, par contre. Merde. De toute façon, j'ai déjà eu le trophée là pour. Il mange ça là, ouf, pourquoi? Ouais, c'est quoi ça? Composant électro. Attends, quoi? Prise tour. D'accord. Bon, on n'a pas le choix là. Là, on est obligé de le mettre, le truc. Bon, t'as raté. Mince. Non, non, gentil. Attends, il y a un passage là-bas. Ah oui. Un couteau, tiens. Oh, attendez. J'ai une idée parce que je vais... comme ça je vais pouvoir avoir mon trophée. Bon, je sais pas trop ce que ça a changé. Mais non, pas ça. Pas ça, putain. Bon bah tant pis, je vais devoir te tuer. Oh my god. Ouais, mais je sais pas, c'est pas avec ça que je vais avoir le trophée. Moi, faut que je tue un ennemi juste avec le couteau. Donc, il faut que je retrouve un petit ennemi. Alors, toi, je t'ai déjà touché. Ça va pas être possible. Ouais, attendez, on va retourner là-bas au pire. Ah, ah, non, gentil. Ah ouais, c'est bon, j'ai eu, pas besoin de flingue, j'ai eu mon trophée. Allez, ça pareil, il faut la clé, mais je sais pas de quelle clé il faut, enfin la quelle clé je veux dire. Oh my god, on peut descendre. Ah non, je le sens pas cet endroit. En plus, il y a de la musique là. Oh oula. Hein? Non. C'est pas une guise. Je crois savoir avec quoi il faut en fait. Ah non, non, faut une manivelle. Ah merde. J'ai entendu un bruit. Ça me plaît pas du tout. On n'a pas le choix, de toute façon, faut descendre. Oh là. Oh non. Oh non. Bien sûr que non. À l'aide. À l'aide, à l'aide, à l'aide. J'ai pas envie. Oh, oh putain. Mais c'est quoi ça? Casse-toi. Oh my god.
C'est bon, je l'ai tué. Oh, merci pour le couteau, meuf. Enfin, mec, ou meuf, enfin bref. Je sais pas si c'est un mec ou une fille, donc bon. Putain, j'ai cru que j'allais pas m'en sortir. On peut pas y aller. Mais quel est cet endroit? Dire à l'endroit de tout à l'heure là. Ah, musique. Email au QG d'Umbrella. Directeur Owens. Des alarmes se sont déclenchées dans tout le Nest. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'entends des tirs et je n'arrive pas à joindre mon chef de section. On est pris au piège. Envoyez de l'aide au plus vite. Directeur Owen. La situation ici est désespérée. Le Nest a été contaminé par le virus. C'est incroyable. Le système de sécurité ne s'est pas activé. Il a été installé par des sous-traitants? Je suppose que oui, mais pourquoi? Mayer et Kim sont morts. Je n'arrête pas de tousser. Pourquoi vous ne me répondez pas? Directeur Owen, vous... C'était vous depuis le... Début, j'imagine. Ah. Je sais pas, moi, Peck. Attends. Bon, non, je sais pas, de toute façon. Ah, des munitions de fusil à pompe. Bon, ça fait, il y en a que deux. Ça fait pas beaucoup, hein. Mais bon. Ah, bon, là, non, il n'y a pas d'ascenseur. Oh non, je le sens pas. Non, j'aime pas ce bruit. Moi non plus. Où est-elle? Ah. Ada. Ah, voilà. Oula. Ah non, mais je le sens pas là, pas du tout. Hein. Je le sens pas du tout. Oh my god. Sauvegarde. Brochure Société des Égouts. Message du PDG. Merci pour l'intérêt que vous portez à Knight Construction Company. Au cours des 20 dernières années, nous avons eu l'honneur de travailler sur le système d'évacuation des eaux usées des plus grandes villes de notre pays. Sans jamais perdre de vue nos deux principes fondateurs que sont le design et l'aspect ludique. Chez KCC, nous pensons que le fait que notre œuvre soit souterraine n'empêche pas notre niveau de qualité de dépasser les attentes. Plus raffiné qu'une reine, plus réfectionné qu'un cavalier et aussi plaisant qu'un pion, notre travail garantit la victoire à nos clients. Dans l'espoir de vous rencontrer, PDG de Knight Construction Company, membre de l'Alliance d'échecs, conseiller du club d'échecs de Raccoon, directeur de la guilde des amateurs d'échecs, R.B. Fisher. Ah, la cassette! On dirait le monstre qu'on avait battu la dernière fois là. Bon bah au revoir mon gars, c'est fini pour toi. Oh my god, c'est flippant. C'est flippant. Ah, par contre, il y a pas de bon. Comme par hasard quand il y a quand Ah si, j'avais même pas vu. Je suis vraiment débile moi. Bah, la cassette on peut la mettre hein. Est-ce qu'on a des... Attends. Non, il y a rien là. Non. Non, pas ce qu'on veut.
Moi, je voulais un truc là pour combiner, mais je ne peux pas. Et en temps, je vais recharger, comme ça me fera une place en plus, voilà. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de Resident Evil 3.